toi, merde. C'est le 11, 12, 13, un des épisodes de Fallen Kingdom. On est sur Fallen Rock Radio. Et tout de suite, l'épisode numéro inconnu. L'épisode 13. 13. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallen Kingdom. On se retrouve aujourd'hui pour voir déjà ce que Kigar fout. Parce que je sais que Kigar est pas loin de la base ennemie. Je suis un sneak dans la forêt. Bon allez, les amis. Premier qui trouve à gagner. Qui trouve qui? Toi. Je suis dans une petite plaine, mais je suis en sneak. Je l'ai trouvé. Je vais perdre leur attention, j'y vais tout doucement. Oh, j'y vais avec moi, j'y vais en F5 en plus. Non mais reviens. On ira cette nuit, on refait la même stratégie, sauf qu'on l'a réussi cette fois. Mais Anster, regarde, je vais te dire ce qu'ils foutent. Mais moi je peux voir ce qu'ils foutent. Ils foutent. Ils foutent le cœur. Oh, j'allais la faire, t'es nul. C'est vrai. Putain, je te vois l'action qu'il est près de moi. Il va me voir. Et ouh, pile à ce moment-là, je passe derrière l'arbre, c'est magnifique. Est-ce qu'on voit mon pseudo apparaître quand je saute? Non, théoriquement non. Enfin, moi je le vois pas là, mais. Ah non, parce que je suis toujours en sneak en fait. Bon, voilà, donc les amis, on laisse Kigar s'amuser. On va aller regarder le côté adverse. Donc c'est là. Oh putain, je suis passé derrière les feuilles. Juste à ce moment-là. On va aller regarder de l'autre côté, voir à quoi ressemble leur construction. Attends, mais je vais voir derrière la montagne s'il n'y a pas de la canne à sucre quelque part. Ouais, non, il n'y a pas de canne à sucre quelque part. En plus, le biome neige se termine juste après. Attends, parce que je crois que... Je pars au loin. Non, me dis pas que j'ai bon. De quoi? Attends, parce que j'arrive pas à avoir une bonne vue sur leur base de l'autre côté. Peut-être là-bas, ce sera mieux. Attends, non, il me faut réellement une vue parfaite. J'ai cru voir de la canne à sucre à un endroit, mais non, raté. Oh, le faux espoir. Ouh, je crois qu'ils viennent me chercher dans la forêt, mais ils savent pas où je suis. Ah, ils savent que t'es là. Je pense. C'est bon, t'as rien sur toi, de toute façon, au pire. Non, j'ai rien sur moi. Mais attends, est-ce que c'est... Parce que Natu et Gus, je crois qu'ils ont fait une grosse erreur. Est-ce que c'est possible, le coup de... Ils viennent vers nous, Hunster. Qui? Ou alors, ils récoltent du bois, mais je crois qu'ils viennent vers nous. Ah non, je crois qu'ils font un tour de garde. Non, il te cherche. Putain. Non, me dis pas ça. Je vais rentrer dans l'arbre. Natu et Guz, je crois qu'ils ont fait une grosse erreur. Je crois qu'on peut accéder à leur base grâce aux arbres. Ah ouais? Ouais, je crois qu'en cassant un peu les arbres, etc., on les aménageant. Et il est possible le coup de l'arbre chez Natu et Frigiel ou... Non. C'est toi près de la base? De qui? De nous. Non. Y a Sifano, je t'avais dit, il y en avait un. Donc évidemment, les amis, je l'espionne sans être dans ma base. Il fait le tour. Il est réellement pas possible le coup de l'arbre chez nous? Chez eux? Non, il est pas possible. T'es sûr de sûr? Bah oui, j'ai essayé de sauter plusieurs fois, donc... Il m'a pas vu, mais il est juste à côté. Bah moi, toi t'es en position de presque supériorité, moi non. Alors qu'il y a Sifano qui vient de passer... Oh, je sais ce qu'il fait. Il est en train de... Il va informer Natu de quelque chose. J'intercepte le message. J'ai réussi! Le coup de la... J'ai réussi le coup de la... De la... J'ai réussi, Hunster. J'suis sur leur muraille. Non. Si. En courant et tout. Oui, c'est possible. J'ai moyen de récupérer du bambou. Je cours. Je saute. Et je prends du bambou. Non. Je cours. Je saute. Je prends du bambou. Je cours. J'ai du bambou. Oh, moi je vais intercepter le message de l'autre côté, c'est important, je suis sûr. Ça parle de nous. Ça fait comme le coup du poisson. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le coup du poisson. Avec Kigar, à l'heure où vous parlez, où je parle, pardon, vous connaissez sûrement Minecore, une émission donc hardcore, et j'ai eu une session d'entraînement. Bon, pour être sûr de ne pas m'écrouser. Perdre. Facilement. Et donc avec Kigar, à un moment, on s'est fait une session d'entraînement à deux. Session d'entraînement, on s'amusait bien, etc. Et je pêchais. Puis là, il y a Kigar qui se met à sauter dans mon bassin de pêche. Au moment où un poisson vient de mordre et que je l'ai tiré. Et t'as Kigar qui attrape avec ses petites dents le poisson comme ça. Pile au moment, c'est du pur hasard. Et bah là, il vient de nous faire un coup de maître. Le ninja, il a dû se dire, mais what the fuck. Mais t'as vu, le mec qui t'a vu? Je sais pas, je pense que oui, parce qu'il était juste à côté de moi. Il nous faut une TNT. Je lui ai réellement sauté dessus, quoi. Oh putain.
Attendez, mais je sais pas où est la base ennemie en fait. Bon, écoute, je reprends la canne à pêche, j'ai mis une pousse de bambou à pousser, et l'autre, je vais la mettre dans le coffre, ok? Ah, t'en as volé deux en plus. Mais oui! Oh là là! Par contre, j'ai aucune idée d'où est leur base. Oh là 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 là! Bon, c'est bon, on a une pousse de. Mais Hunter, on en a du bambou! What? On en a 7 dans les coffres? Ah, mais on vient de les récupérer chez eux, enfin sur eux! Mais non! Ah, mais. Oh, c'est pas grave, j'aurais fait le ninja quand même, c'était drôle. Mais maintenant, on sait qu'on peut accéder à leur base comme ça. Il nous faut une TNT, je suis sûr qu'on a de quoi en faire. Il nous faut une TNT. Tu veux que je regarde? Ouais, on a de quoi, on a de quoi. Allez, vas-y, je regarde. Non, mais je sais qu'on a de quoi en faire une. Bon, tu veux que j'en fasse une? Ouais. Et que je refasse l'espion, là? Ouais, on va faire le coup du ninja à deux, je t'accompagne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il y a une discussion. Il y a une discussion? Ouais, je crois qu'il vient de poser un panneau. Eh, c'est la seule TNT qu'on peut faire. Il y a Gus qui va lire le panneau. Putain, ils ont réellement une alliance, Hunter. Tu veux que j'y retourne alors? Attends. J'y retourne donc. Attends, mais il me faut de quoi bouffer là, sinon je vais. Ah! Et s'il y a, ils t'ont vu? Je sais pas, j'ai vu quelqu'un sauter au-dessus de ma tête, mais je crois que je suis parano. Ah. Il est presque conscient alors qu'il est cinglé. Ouais. Tu veux que je retente le coup de l'arbre alors? Ouais, mais tu m'attends. Enfin, descends, on se rejoint côté ouverture Siphano. Oh là 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 là, ah, mais le coup du ninja, mais je crois qu'il s'en. Putain. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette saison. On fait péter, ouais. On fait péter le truc et on se tire. Hein. Mais attends, ça se trouve, ils s'en est rendu compte et ils ont dû péter l'arbre. Peut-être pas. Bon, attends. Oh, j'ai pas de quoi courir. Une canne à sucre pour des copains, please. Vas-y, viens, commence à avancer, je suis pas loin. Il me semble qu'ils ont niqué l'arbre. Hunter. Non, c'était... Merde, mais j'ai pas de quoi la déclencher. Attends, mais faut qu'on soit sûr que notre arbre, il soit encore. J'ai pas de quoi la déclencher. Mais si, c'est celui-là. T'as bien utilisé celui à droite. Oui, mais j'ai... Attends, j'ai pas de quoi déclencher la TNT. Oui, je sais ça. Faut que je rentre. Je mange ou je me laisse mourir? Bah, laisse-toi mourir, comme ça on sera tous les deux. Ok. Attends. Je m'en remets pas, quoi. Admire ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je te vois pas, en fait, mais... Tu vas voir. Je viens de poster un panneau sur notre muraille avec écrit c'est ok pour trahir Sif et Frugiel. Oh putain. Ils passent dessus, ils se rendent compte d'un truc. Mais... Eh, je tente, hein. Là, je suis en train de me suicider comme un trisomique. Je saute comme ça dans un trou, genre, ouais, j'ai rien compris à ce jeu, moi. Ta mère, elle est archi folle cette saison. Ah ouais, mais. Je dois avouer qu'on domine pas la saison, mais je m'éclate tellement que. Et je crois qu'ils sont au courant des pistons parce que là je suis devant la muraille, à l'endroit où ils ont pété le truc et j'ai entendu quand t'as ouvert. Oh putain. Non, non. Je sais pas si leur son est assez fort. Là ça va être roll théoriquement. Oh, je t'entends même ouvrir les coffres, les sons sont archi forts. Oh là là. Ouais mais ça à la limite, voilà. Allez remonte. Hop, j'ai une torche de redstone. Prends une épée en cobble si t'es pas encore sorti, comme ça j'aurai de quoi les shooter un petit peu au cas où. Une épée en cobble, je m'en prends une aussi. Ouais, cobble, pas plus. Ouais, t'inquiète. Parce que cobble, je sais qu'on en a deux ou trois, donc... Ouais, on y va, on fait tout péter. Attends, je remets le truc dans le four. Qu'elle pêche dans le four. Tac, tiens, une épée. On a les fours les plus rentables au monde. C'est par quel côté qu'il faut aller? On va voir ça tout de suite. C'est celui-là, ah, hein. Non, c'est parfait, là, on a le côté où on a accès à la muraille. Ah non, ouais. Mais c'est de l'autre côté. C'est là. On peut descendre là. Oh non. Ouais, si c'est on là. Et si c'est là. Mais viens, il faut faire un plus grand contour maximum. Hunter, on se met des skins blancs au prochain épisode. Non, c'est de la triche, changer de skin. Mais non. C'est pas de la triche. C'est une tenue de camouflage. Non, Kigar, c'est de la triche. C'est une tenue de camouflage. T'es où? Oh là là. Je fais le contour, mais je te dis, il faut qu'on fasse tout un tour, sinon c'est mort pour nous. Mais ça veut dire que t'es sorti du côté Natchou?
Non, ça veut dire que je suis sorti du côté. Non, je suis sorti du côté phrygiel. Non, mais y a personne à leur base en fait. Mais si, si, y a quelqu'un à leur base. J'ai vu Siphano ou Phrygiel, je sais pas lequel. Mais... Je suis en train de regarder leur base, y a personne. Non, mais si, ils doivent être là, une star. Ou alors ils sont en train de miner, je sais pas, mais. Je pense qu'ils ont buté l'arme, hein. Honnêtement, je pense qu'ils ont buté l'arme. Moi, au pire, s'ils ont buté l'arme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la pose sur leur. Ouais, on la dépense, on la dépense. Même s'ils ont posé. Même s'ils ont détruit l'arbre. Non, mais c'est... T'as bien pris le même que j'ai pris tout à l'heure? Oui, oui. Bah, oui. Il y a, il est. Il y est? Ouais. Putain, mais alors il s'est douté de rien! Non, il y est pas. Ah, si, je crois que c'est celui-là. Si, il y est! Il y est! Mais oui! Mais t'es où, toi? Je suis dessus. Ah ouais! Bon, les amis, on va regarder cette action de loin. Merde, j'ai raté! Il va me voir! Putain, je l'ai re-raté! Non, mais Hunter, je te dis, c'est mourir. Super dur! Hein. Je vais mourir! Ouais, si je me re. Putain. Oh, il m'a même pas vu! Il est où? Il est sur sa muraille! Ah, mais il m'a vu moi! Non, 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 Hunter, barre-toi, barre-toi, barre-toi! Fais diversion, barre-toi! Loin, loin, loin! Il va te buter, il va te buter. C'est pas grave, j'aurais fait diversion. Vas-y, elle remonte pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je saccage? Ouais, ouais, mets-la, mets-la. Parce que là, il y a possibilité que je me fail, hein. Donc, ouais, est-ce que je tente ou pas? Mets-la n'importe où. Okay. Enfin, mets-la pour casser, quoi. Merde! Ah, je suis tenté de... Bon, voilà, c'est pas grave, je l'ai posé quand même et il va mourir dessus! Oh non! Assaut-le, assaut-le. De... Non, il est pas mort dessus, bon, tant pis. Non, putain. Creeper! Creeper, Creeper! Creeper! Creeper, viens avec moi, Creeper! Oh là 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 là. Creeper, viens faire des bisous au mur! Vas-y, oh, boum! Boum sur quel mur? Sur le leur. Ah, s'il fait frigiel? Je suis dans leur base. Non! Un peu, ouais. Ouais, mais là, tu peux rien bousiller, bousille rien. Y'a de l'eau bizarre. Y'a de l'eau bizarre. Au pire, si tu peux. Et si on peut, Hunter, essaye de trouver la salle des coffres. Bah ouais. Théoriquement. Mais j'ai rien le droit de casser, mais. T'as rien le droit de casser, mais ça veut dire qu'elle est possible à trouver si t'es dedans. Ouais, mais Hunter. C'est une fortie le truc où je suis en fait. Ah. Oh putain, il est là-bas. Je suis obligé de me relever pour passer dans leur fortie en fait. Merde. Non, tu peux sauter en étant en sneak. Hein. Non, non, mais ça marche pas. Leurs forties sont réalisées de façon à ce que je puisse pas le faire, je crois. Bon, attends, je fais tout un contour encore et je vais essayer de rentrer. Putain, c'est là, si je me faille le pas là et que j'y arrive, je suis dégoûté. Il m'a vu. Il t'a vu? Je pense. Bah, c'est pas grave. Merde, moi, il y a un squelette qui m'a vu. T'inquiète, t'inquiète. Ah non, j'ai fait le tour. Non, non, j'ai plus d'accès. Par contre, je suis bloqué. Non. Si, si. Je vais devoir me noyer. C'est triste comme fin. Putain, mais alors ils se sont toujours pas rendu compte. Putain, ils ont creusé à fond pour qu'on meure. Oh non! Non, j'ai pas réussi. De quoi? Sauter de l'arbre. Pour... Ah, t'es encore sur l'arbre? Oui. Bon bah, moi je suis en train de mourir dans leur fortie. Leurs forties, elles ont l'air nulles. Hein. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est pas de la bonne fortie. Il me faut que je trouve un zombie, il faut que je mange, j'ai plus beaucoup de vie. Les amis, nous on tente pas d'assaut puisqu'on n'a pas les moyens, mais on tente de détruire les trucs avec des failles. Enfin, des failles. Des creepers, des machins, des. Ce qu'on a, quoi. Mais avec deux creepers, je suis sûr que je rentre dans leur base. Il y a un creep. Parce que, en fait, leur base, elle fait 3 d'épaisseur, la muraille. Mais, ouais. Mais en fait, au milieu, t'as de l'eau. Mm-mm. Donc, le creeper, si tu le fais péter, mais qu'il pète pas dans l'eau, c'est bon. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire péter un petit peu plus loin.
Ok. Je suis en train de buter un zombie, mais... Ok, il me loot. Oh, il me loot beaucoup. Faut absolument que ma vie remonte, là. Moi, je vais à la petite maison dans la prairie en sprint. Oh yes, ma vie remonte. Par contre, c'est avec de la viande de zombie, donc ça va baisser vite. Qui sait, ça peut peut-être me remonter ma vie un petit moment. Juste de quoi retenter un saut, quoi, au moins. Mm-mm. Moi, je cherche du creeper. Hein. Mm-mm. Sif m'a vu. Sif t'a vu. Il est agressif. Ok. Oh putain, il y a un squelette qui m'a vu. Moi, il y a un zombie là, qui m'a vu. Mais... C'est toujours le même squelette que tout à l'heure, en fait. Bon, j'ai un demi-cœur de plus que ce que je peux me permettre pour tenter. Donc, je retente. Il part. Ouais, vas-y. Putain, mais je vais mourir si j'en attends. Il y a Sifano devant moi, je suis surveillé Sifano. Je vais mourir, Hunster. Bah attends, bah j'arrive. Je sens que je vais crever. Ils redescendent. Merde! Je me suis fail. Vas-y, je retente. La dernière chance. Mais non, mais merde. Là, même si je saute, de toute façon, je vais mourir sur le rempart. Ah oui, parce qu'elle enlève de la vie. Enfin, les remparts enlèvent de la vie au final. Ouais, ouais. Bah, je pense. Par contre, j'ai looté une épée en fer, ça c'est pas bien. C'est bête, oui. Bon, on fait quoi? Il se doute de rien là avec les 50 000 de ground too hard. Mais non, parce qu'à chaque fois je fais diversion quand tu fais le con. Attendez, les amis, on fait quoi? Attends, il y a un creeper là devant. Creeper? Ça tente d'aller. Donc on rush là, Sunster. Ouais, c'est ce que j'ai. J'aime pas ce bruit. Non, non, mais c'est pas. C'est moi. Ouais, je sais que c'est toi, c'est ça le problème. Bon, attends, je vais tester Nachu et. Putain, chaque fois je disais like. Et Guz. Mais attends, j'étais Nachu et Guz. Ah non, ils ont trois couches. Ils ont trois couches, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Et Nachu et Guz, je crois qu'on peut rentrer par un arbre. Oui, oui, on peut. Bah attends, viens. Merde, par contre, il y a Nachu. Ou Guz. Viens, je nous fais deux épées en fer. C'est bon, ça coûte que dalle, les épées en fer. J'ai une épée en or. Ça vaut moins. Ça fait moins de dégâts. C'est une épée de gangsta. Ouais, mais ça fait moins de dégâts, les épées gangsta. Il me voit pas, c'est Nachu. J'arrive. Je remonte sur un arbre. En mode chien un espion. Et je crois qu'il est juste devant moi. Je suis pas loin moi. Il est hors de sa sortie. Il part. Il récolte. C'est à dire que je peux les croiser là? Oh, je les ai vus, j'en ai vu un. Ils ont une armure en fer même. Oui, oui. Putain, mais on est des arriérés à côté d'eux. Hein. Ouais. J'ai envie de tenter le saut là, mais je sens que je vais me fail. Oh là 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 là. Je suis caché dans un arbre. Moi, je suis en train de sauter d'arbre en arbre discrètement. Toi aussi. tu m'as vu? Ouais, regarde à droite. Non, gauche maintenant. Regarde. Dans un arbre en haut. Et je l'ai de là. Vas-y, il a le dos tourné, faut en profiter. On tente quelque chose? Non. Eh, ça fait haut quand même. Hein. Oh, y'a une vache, y'a un creeper derrière toi, fais attention. Une vache ou un creeper? Une creeper. Vas-y. Eh, on tente quelque chose ou pas? On est archi désespéré, quoi. Putain, il nous faut un creeper. Oh, il y a un creeper là-bas, mais il me voit pas. Je crois qu'il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Je suis caché derrière une plante, il peut pas me voir. S'il ferme les yeux, il peut pas me voir. Oui, oui, oui. Hier, on va finir l'épisode d'ici. Hein. C'est toi là? Je suis tombé des arbres. Oui, c'est moi. Eh, tiens, une épée, Kigar, une épée. J'en ai une. Je t'en ai fait une en fer, c'est plus puissant. Ah, attends. On peut tenter là le saut? Je sais pas, je le sens bizarrement. Hey, par quoi je me fais but? Par un squelette. Il va me brûler en enfer. Aïe, ah, mais il m'a fait beaucoup de dégâts. Il y a un creep! Putain, là, ils vont se douter d'un truc. Remonte dans l'arbre, Hunster, cache-toi dans l'arbre. Donne-moi une épée. Merci.
Ok, on se calme, on se calme. Y'a Guz! Comment ça, y'a Guz? Y'a Guz dans la base. Dans la base, c'est Guz? Ouais. On peut sauter ou pas? Je sais pas, j'ai des énormes doutes. Non, non, on peut pas là, on peut pas. On va se rétablir. Accroupis-toi! On va se rétablir aussi. Y'a. Elle, l'arbre en face, il est cool ou pas? J'ai un bug de check. Je sais pas. Le boulot? Je sais pas, j'ai un bug de chunk au mauvais endroit en fait. Oh merde, oh, je crois que... Je suis passé genre en mode... Fais pas de bruit. Y'a Gus juste à côté de moi. Hein. Il s'est accroupi. Comment ça, y'a Gus juste à... Ah oui, il est là. Oh. Il m'a vu? Non, 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 il t'a pas vu, il tourne en rond, il tourne en rond. Je nous fais un petit chemin, attention, faut pas tomber. On va finir l'épisode ici, Kigar, hein. Mais oui, mais bon, on finira l'épisode ici, ça fera un cliffhanger pour les prochains épisodes. Et on pourra même pas dire cut parce qu'on peut pas se désaccroupir. Et ben on se déconnecte. Non, on attend qu'ils disent cut. Eh hey, mais si on se prend un assaut pendant ce temps. On peut pas dire cut, Hamster. Non, non, mais on aura plus de mal. Non, 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 on parle pas de malheur. En tout cas, t'es bien caché, toi. T'as vu un peu? Attends, j'attends que Guz il ait fini son tour et je regarde. Wow, wow, wow. Moi je crois qu'il se donne un truc. Hein? Non. Non, il part. Comment ça il part? Ils échangent. Ils échangent. J'ai l'impression que Guz va en bas et que Natu remonte. Et la salle des coffres, je crois qu'elle est dans okay. Le coin au fond à droite. Parce que là il vient de s'arrêter bizarrement dans le coin au fond à droite. Et, ouais, regarde. Cut, on déco. Ouais, les amis, on se laisse. Attends, on dit au revoir avant. Ouais, les amis, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. On tentera peut-être quelque chose, on vous promet rien. On essaie de rester sur cette situation. Soyez nombreux, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Allez, bye. Cliffhanger de fou!